Au Paraguay, le président est sous le coup d'une procédure de destitution. Mais à l'entendre, Fernando Lugo n'a pas l'intention de se laisser faire. « Je ne vais pas démissionner », a-t-il déclaré ce jeudi, « mais je vais faire face à cette procédure en me conformant à la Constitution et aux lois. » Un peu plus tôt dans la journée, la Chambre basse du Parlement avait voté, à une très large majorité, en faveur d'une procédure de destitution. Les députés accusent le président d'avoir, je cite, « mal rempli ses fonctions », référence aux violences qui ont ensanglanté une région du nord-est du pays la semaine dernière. Des policiers étaient intervenus pour déloger des paysans qui occupaient une propriété. Les heurts avaient fait 17 morts. La procédure de destitution engagée contre le président doit maintenant être étudiée par les sénateurs. Si elle aboutit, Fernando Lugo sera obligé de quitter le pouvoir alors que son mandat s'achève l'an prochain.